Eh bien bonjour et bienvenue à tous, j'espère que vous m'entendez bien, j'espère que vous me recevez bien. Je suis Franck Payen et je vais être avec vous pendant une petite heure. Durant cette heure, on va revenir sur un point intéressant et important pour les gens qui veulent se lancer dans l'animation. On va bien parler tranquillement d'animation et de lip-sync, donc de synchronisation labiale. Alors dans un premier temps, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir qui vous êtes. Est-ce que vous avez déjà utilisé Animate? Donc vous mettrez AN 0, 50 ou 100%, mais attendez une seconde, et vous mettez AN, FL si vous venez de l'époque, de la lointaine époque où Animate était Flash, et vous mettez CH si vous connaissez Caractère Animator, et vous mettez 0, 50 ou 100% pour que je puisse comprendre un petit peu tout ce qui nous arrive et tout ce qui va nous intéresser. Donc, dans un premier temps, je vais vous partager rapidement mon écran, comme ça vous verrez où nous en sommes sur la chaîne YouTube Adobe France. Hop, je me mets comme ça, je me mets en tout petit. Donc, sur cette chaîne, comme vous le savez, nous avons des directs quotidiens. Ces directs quotidiens s'appellent les en direct du canap et ils nous permettent d'accueillir beaucoup d'artistes différents. Aujourd'hui, je reçois Flore Maquin à 14h, je serai accompagné d'Emma L'Extrait pour la présentation. Demain, on fera du travail d'illustration et d'animation avec Raphaël Bluzet sur Fresco, sur After Effects, Photoshop, Adobe Photoshop Sketch même. Donc ça va être une session pleine de découvertes aussi, je pense, pour ceux qui n'ont pas encore qui ne connaissent pas encore tout ça. Et puis vendredi, on aura un sujet dédié au motion design avec Aurélien Malagoli, qui est un graphiste qui fait pas mal de choses autour du motion café. Donc j'espère que vous en prendrez plein les yeux. Pour les gens qui nous découvrent complètement, eh bien, vous savez aussi que, enfin, vous ne savez sans doute pas encore que tous les sujets que l'on met en place pour vous sont disponibles en replay. Ils sont disponibles en replay ici, en direct du canap. Et pour ceux qui seraient intéressés, vous pouvez passer sur Behance. Behance, c'est le point central de vos portfolios, c'est le point central des images que vous allez créer. Mais comme vous le savez, si vous appuyez sur le bouton direct ici, vous pourrez retrouver prochainement et au fur et à mesure les Adobe Live en français. Et donc vous retrouverez tous les replays de nos différentes sessions, vous retrouverez tous les directs des prochaines sessions, principalement des en direct du canap. Voilà, on se parle de tout ça prochainement. En tout cas, je voulais vous donner un petit peu les billes pour pouvoir commencer. L'application sur laquelle on va passer du temps, ce sera notre application Creative Cloud. Alors, vous avez sans doute, pour les francophones sur ce créneau horaire, remarqué qu'aujourd'hui, nous avions énormément de mises à jour d'applications. Et quand il y a beaucoup de mises à jour d'applications, soit vous êtes tranquille, genre vous êtes plus ou moins en vacances, vous avez des choses à faire mais pas tant que ça, et surtout vous n'êtes pas en prod, et dans ce cas-là vous cliquez sur tout mettre à jour, soit vous êtes en pleine prod, et dans ce cas-là vous patientez, vous regardez le nombre de mises à jour et vous viendrez les faire un petit peu plus tard. Pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus? Tout simplement parce que, vous le savez, il y a toujours des nouvelles versions, toujours des nouveautés. Vous le savez aussi pour les gens qui sont dans l'animation, dans la vidéo, par exemple, eh bien, vous avez désormais accès pour nos applications aux applications en bêta. C'est-à-dire que vous pouvez retrouver le After Effects, Premiere, Caractère Animator, Audition, Rush et Media Encoder en bêta. Et je viens de découvrir qu'Illustrator était dispo en bêta. Je sais pas si c'est chez tout le monde ou si je suis un petit privilégié pour ça. Vous me direz dans le chat. Je suis assez curieux d'en savoir un petit peu plus là-dedans. En tout cas, lorsqu'on veut faire de l'animation, on a énormément de choix. Les choix principaux que vous voudrez retenir, si vous faites de l'animation de personnages, eh bien, ce seront c'est les trois qui sont sur cette ligne du haut. On aura dans les classiques en animation vectorielle, on aura Adobe Animate, qui est anciennement Adobe Flash. On aura Caractère Animator, qui est une toute nouvelle application qui s'est illustrée notamment dans les cartoons Donald Trump, dans les épisodes des Simpsons interactifs, dans le courrier des lecteurs des petits poneys. Donc ça, c'est un choix de luxe. Et puis, pour les gens qui sont plutôt sur... qui sont... plutôt intéressé dans la partie motion design, eh bien vous aurez accès à After Effects, qui va vous permettre, eh bien, d'utiliser l'outil marionnette. Mais si vous voulez aller plus loin, et on a déjà eu des sessions là-dessus, on a reçu notamment Nicolas Dufresne,
pour son plugin qui s'appelle Duik. Il y a deux plugins d'animation de personnages sur le net. Il y a Duik et Rubber Hose, globalement. Hein. Il y en a peut-être d'autres, des petits, mais c'est les deux principaux. Et on avait la chance, justement, d'avoir reçu Nicolas, qui nous avait fait une première mise en condition pour pouvoir utiliser Duik. Donc, n'hésitez pas. Un petit point, d'ailleurs, petit point complètement copinage, mais c'est pas très très grave. Si vous allez sur la session autour de Duik, justement, hop, on va aller chercher sur la chaîne Adobe France. Si je tape Duik, on va retrouver la session avec Nicolas Dufresne. Et dans les liens de la page, eh bien, vous devriez retrouver pas grand chose parce que tiens, ils n'y sont plus. C'est pas grave, vous les retrouverez par ailleurs. Vous pourrez retrouver donc le travail de Rainbox Production, qui est la maison mère autour de Duik, et vous pourrez retrouver tout ce qui est tout neuf, le crowdfunding autour des outils ouverts pour l'animation. Donc il y a énormément d'outils qui ont été développés autour de ce contenu-là. Donc vous irez voir chez Rainbox Prod. Merci à tous. Merci Stéphane pour les liens, j'espère que ça va plaire, j'espère que ça va intéresser nos utilisateurs et que ça va leur permettre eh bien, de découvrir un petit peu plus de contenu là-dedans. Donc je reprends le petit sondage que je vous ai demandé à tous. Alors Alexandre me confirme que Illustrator est bien dispo chez lui en bêta, c'est plutôt une bonne chose. Je commence à avoir les petites réponses sur Animate, Flash, un petit peu, pas beaucoup. Donc on va revenir un petit peu dessus. Je vais vous ouvrir Adobe Animate. Hop. Et quand j'ouvre Adobe Animate, quand vous ouvrez Adobe Animate, eh bien vous avez un petit écran d'accueil. L'écran d'accueil a pas mal évolué au fil des versions. On est sur un écran d'accueil qui est extrêmement sobre, et pour cause, sur cet écran d'accueil, vous allez avoir vos projets récents, vous allez avoir les formats de documents que vous pouvez créer, et puis vous aurez de quoi visualiser les nouveautés directement dans l'application. Point hyper important pour tous, pour les uns, pour les autres, c'est que quand vous êtes sur un écran comme ça, quand vous cherchez des news sur vos applis, n'hésitez pas aussi à passer sur l'application Creative Cloud, puisque vous pourrez voir eh bien, les fonctionnalités principales, vous pourrez retrouver des cours autour de l'application, on va retrouver l'interpolation dans Animate, on va retrouver les infographies animées, etc. Mais vous pourrez aussi, sans aucun problème, aller chercher ici la résolution des problèmes, vous pourrez contacter l'équipe, vous pourrez trouver d'autres tutoriels, retrouver la communauté. Et ça, c'est un point qui me semble important quand on est à la recherche en fait d'un outil et de comprendre un petit peu comment ça peut fonctionner. Eh bien, j'ai tendance à cliquer sur cette page parce que quand je clique sur cette page, je me retrouve sur la page directement de l'aide Adobe et je vais pouvoir aller sur le bouton nouveauté et on va pouvoir voir ensemble des points qu'on va pas forcément développer longuement là-dedans. Mais ce qui va nous intéresser, c'est que sur la version d'avril 2020, qui a juste un petit mois, on a la prise en charge de nouveaux modes de fusion dans Canva. Ça veut dire que les utilisateurs, tiens, pour les utilisateurs qui font des exports vers Canva, est-ce que vous avez déjà eu des besoins par rapport au mode de fusion? Vous allez pouvoir retrouver ça. On va avoir aussi pour les utilisateurs, justement, toujours dans la partie Canva, donc dans la partie HTML, quand vous voulez créer du contenu pour le web depuis Animate, on a moyen de faire la lecture audio en continu de tous les sons qui vont être préparés depuis Animate. Et ça, aujourd'hui, ça va nous servir, même si c'est plutôt un prétexte de mon côté. Enfin, l'exportation vidéo a été améliorée pour pouvoir exporter uniquement la partie dont on a besoin sur une vidéo. Ça peut vous permettre de faire des extraits, ça peut vous permettre d'avancer sur les projets, et en termes de performance et de stabilité, visiblement, il y a eu pas mal d'améliorations. Ici, c'est les points précis, vous pouvez cliquer à tout moment sur les différents points, et vous pouvez voir le résumé détaillé de chacune des améliorations pour retrouver les petits détails. Donc ça va plutôt parler aux gens qui sont à 100% sur Animate, pour leur création, pour leur composition. Ok ? C'est bon pour tout le monde ?
Autre point qui nous servira là-dedans, donc oui, en termes de mode de fusion, on va retrouver donc les nouveaux modes de fusion disponibles pour le HTML5, pardon si je reviens dessus quand même, obscurcir, produit, éclaircir, écran, etc., qui seront disponibles dans un document HTML5. Et ça, c'est nouveau, et donc ça va être extrêmement pratique pour pouvoir le tester, pour pouvoir faire des créations en mode réel, c'est-à-dire ce que vous aurez sur l'écran de votre outil de fabrication d'Animate, eh bien vous le retrouverez sur le navigateur. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Voilà. J'allais dire parlons peu, parlons bien, on va parler moins surtout. Je vais vous parler moins, je vais vous parler de lip-sync. Lip-sync, synchronisation labiale. Quand vous tapez lip-sync, vous avez énormément de contenus, mais les contenus qui vont nous intéresser, enfin qui vont moi m'intéresser le plus, sont exactement ici. C'est ce qu'on appelle des bouches, et ces différentes bouches, en fait, quand on va regarder ce qu'elles représentent, elles représentent les différents phonèmes, les différents visèmes, c'est-à-dire quand vous ouvrez la bouche dans différentes langues, pour prononcer par exemple un A, eh bien vous allez avoir la bouche ouverte. Il va faire A, E, I. Vous aurez le O qui va être une bouche un petit peu plus fermée, le O qui va être encore un peu plus fermé, le I qui va être avec les dents serrées, etc., etc. Vous allez retrouver pas mal d'alphabets de la forme. Si vous êtes illustrateur, si vous êtes un animateur confirmé et que vous savez exactement fabriquer vos propres contenus, vos propres bouches, vous pouvez tout à fait faire vos dessins. Ça, il n'y a aucun souci. Par contre, si vous êtes un utilisateur peut-être un petit peu moins à l'aise sur la partie dessin, je vous envoie sur Adobe Stock. C'est tout simplement parce que ça va vous permettre d'aller chercher ici. Je vais taper lip-sync. Hop. Vous allez pouvoir trouver là-dedans différents personnages, mais aussi différentes bouches à utiliser avec vos personnages. Et donc, on peut retrouver des têtes, on peut retrouver des personnages. Alors, on peut retrouver. Alors, je sais plus si je dois taper lèvres. Je sais que j'avais fait hier. Voilà. Lèvres. Bouche. Je vais taper bouche, parce qu'en fait, on appelle ça des bouches. Vu qu'il n'y a pas que les lèvres, qu'il y a les dents, etc. On va pouvoir retrouver des contenus et on va pouvoir les utiliser pour l'animation. Animation, hop. Bouche, animation. Et là, vous allez retrouver vos lip-sync. Et vous allez retrouver tous ces contenus-là et vous pourrez prendre la licence dont vous avez besoin pour travailler. Ok? Est-ce que c'était quelque chose que vous aviez déjà eu l'occasion de faire ça, de faire récemment? Alors Alexandre me parle d'animateur de centre aéré. Non, c'est pas du tout la même chose, Alexandre. Je pense que tu te méprends. Voilà. Donc voilà, moi ce qui m'intéresse là-dedans, c'est de me dire que la manière dont je vais m'exprimer, eh bien, je vais pouvoir la retrouver sous différentes formes. Si c'est vraiment la toute première fois que vous animez, vous vous dites aussi, est-ce que c'est compliqué de faire ça dans Animate? La réponse, en un mot, c'est un peu compliqué. Parce que il faut comprendre, il faut passer un petit peu de temps à le faire, mais en réalité, c'est pas si compliqué que ça et c'est très efficace. Cependant, je vais prendre une petite minute pour, comme annoncé sur le titre, on va parler un tout petit peu de caractère animator. Et du coup, je vous refais le même sondage que tout à l'heure. CH pour caractère animator, est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà utilisé ou est-ce que c'est quelque chose qui est tout neuf pour vous? Dites-moi. Pour vous donner une petite idée, ici je vais prendre une pause d'arrêt. Caractère animateur, je viens juste de le lancer et il sait déjà ce que je vais lui demander. C'est-à-dire que je regarde ma caméra, je suis en train de lui parler, je peux lancer l'enregistrement. Je vais lancer l'enregistrement en vérifiant bien toujours que j'ai bien une synchronisation des lèvres qui est mise en place et je vais lui dire enregistrer 3, 2, 1. Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Adobe France. Je termine mon contenu. Je vais regarder un petit peu comment il a travaillé comment il a travaillé son résultat. Et là, ce que vous allez voir, c'est que l'ensemble de ma prise. Alors, je vais mettre un casque aussi parce que si je mets pas de casque, je vais beaucoup moins en profiter. J'ai un casque un peu épais, mais on va mettre un casque un petit peu plus discret pour la session. Certes, un peu plus intrusif. Voilà. Ok. Donc, ce que je vais pouvoir faire là-dedans, c'est que je vais pouvoir lui demander de rejouer cette scène.
Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Adobe France. Et vous voyez que les mots que j'ai utilisés ont été décomposés ici en visem. C'est-à-dire que là, il essaye de dire bienvenue. Voilà. Donc ça, c'est du lip-sync version ultra simple. Et le lip-sync version ultra simple, c'est la manière dont on va pouvoir fonctionner. Non seulement il a enregistré ma voix, mais en plus il a enregistré les mouvements de mon personnage, il a enregistré le regard qui bougeait, il a enregistré les sourcils qui allaient se déplacer pendant la prise de vue. C'est pas mal ça. Vous connaissiez Caractère Animator? Non? Daniel, vous ne connaissiez pas? Pourtant j'ai l'impression qu'on voit souvent ici. C'est fou ça. Ouais. Ok. Donc si c'est nouveau, n'hésitez pas. Merci à Alexandre d'ailleurs de nous avoir reposté le petit lien vers la chaîne de Hockey Samouraï, qui est excellente pour le sujet puisqu'elle va vous permettre de trouver tous les contenus dont vous avez besoin. Ok? Ouais. Donc c'est ça du lip-sync, c'est le fait de choisir la bouche qui convient, c'est le fait aussi au besoin, là spécifiquement dans Caractère Animator, de changer peut-être un signe. Ici on avait dit que c'était le I, je peux faire un clic droit dessus et lui dire non en fait ça va être le A. Et donc il va me proposer hop, une autre bouche adaptée à ça. Donc ça c'est le workflow Caractère Animator, je voulais juste qu'on passe pas à côté pour que vous sachiez qu'il se passe des trucs et que vous avez, déjà ce genre de contenu à disposition. Maintenant on va repasser dans Animate, ok? Donc je quitte mon Caractère Animator, je retourne dans Animate, et dans Animate, eh bien on va se créer un projet, qui sera un projet plutôt pour de l'animation. Donc je peux choisir les formats, mais souvent quand je veux faire des formats d'animation, eh bien je vais tout simplement aller chercher les formats vidéo. J'ai différents types de formats, du Full HD, du HD ou du standard. On peut partir sur le Full HD, et il va me créer donc mon nouveau contenu. Sur ce nouveau contenu, je vais pouvoir faire du dessin dans Animate. Les outils et l'interface d'Animate ont énormément évolué ces dernières années. Et cette évolution de l'interface, alors non, je vais la réduire un tout petit peu pour ne jamais en cacher un morceau quand je suis dans le coin là, même si je pourrais presque attraper l'interface pour vous. Cette nouvelle interface, en fait, elle se décline en deux manières. On va pouvoir visualiser les calques d'animation, on va pouvoir créer un petit peu tout ce contenu, et puis vous verrez que désormais, eh bien, elle est plus ou moins contextuelle. On va pouvoir travailler sur les outils qui sont sélectionnés, sur les objets sélectionnés dans la scène, sur les images, et sur le document en entier. C'est-à-dire que pour l'instant, mon document, c'est un document qui a été prévu pour de la publication, 1920-1080 à 30 images par seconde, le fond de la scène est blanc, etc. C'est là que je vais retrouver ces infos-là. Je sauvegarde mon document, ça c'est hyper important. Ici, on va l'appeler donc lip-sync animate. Je le mets sur le bureau, je l'enregistre tel quel. Et ce qui va être intéressant pour moi, c'est que quand je vais tester mon animation, je vais faire contrôle entrée à l'intérieur d'Animate. Et il va me préparer un fichier SWF. Pour l'instant, il se passe rien dedans, ce qui est normal, j'ai rien créé du tout. Par contre, ce qui sera intéressant pour plus tard, eh bien, c'est que lorsque je serai sur mon document, je pourrai voir le dernier historique du fichier, et ça me permettra de comprendre si j'ai bien embarqué les bons contenus. Ça, c'est du petit retour sur l'outil. Je reviens sur mon contenu, j'ai envie de créer un personnage. Créer un personnage dans Animate, c'est rarement bien compliqué. Je prends un pinceau, je choisis une couleur, je peux tout à fait travailler sur mes nuanciers par défaut. J'ai des nuanciers sur lesquels je vais pouvoir aller piocher des couleurs. Et je vais pouvoir aussi, au fur et à mesure, rajouter les couleurs dont j'ai besoin. Ici, on va donc créer ce personnage. Hop. Je fais souvent des personnages avec des têtes de cacahuètes. Ne me demandez pas pourquoi, ça fait super longtemps que je fais ça, et j'ai pas vraiment l'intention de m'arrêter maintenant. Je vais pouvoir travailler sur son regard, mais ça je le ferai plus tard. Je vais pouvoir travailler sur sa bouche. Quand je vais travailler sur sa bouche, puisque je ne compte pas forcément revenir dessus, puisque je compte pas forcément passer du temps sur ma manière d'exprimer son visage, eh bien, je vais d'abord anticiper. Je vais anticiper la pose de mon personnage. Je vais le sélectionner, je vais lui demander dans le menu Modification de convertir en symbole. Et celui-ci, ce sera donc mon personnage. En fait, techniquement, ce sera la tête.
Et je vais l'utiliser en tant que graphique. Pourquoi je l'utiliserai en tant que graphique? Eh bien parce que le graphique, je pourrais accéder image par image aux éléments de ce personnage-là. Donc graphique, je peux choisir le point d'alignement, ici plutôt à partir du bas, ce qui me permettrait éventuellement d'agrandir la tête à partir de ce contenu-là. Et puis vous voyez que je peux le ranger dans un dossier particulier. Tout le reste, toute la partie animation, création, etc., je ne vais pas m'en occuper. C'est une partie qui est plutôt réservée aux gens qui ont besoin de faire du développement avec leurs outils. N'oubliez pas un petit détail quand même autour d'Animate, c'est qu'il est extrêmement bien implanté dans le milieu du jeu, dans le milieu des tutoriels, du learning. On peut tout à fait prendre les contenus Animate et travailler avec. Donc je lui dis « Ok, et j'ai mon personnage ». Alors j'ai mon personnage, ça ne veut pas dire grand chose. Je peux rentrer dans la tête et je peux lui dire, bah tiens, sur l'image 1, mon personnage est de cette manière-là. Et puis je vais lui demander, donc on va zoomer un petit peu sur les keyframes, sur les images clés ici, je vais lui demander de faire, donc ici, rajouter une nouvelle dans le scénario. Je vais rajouter une nouvelle image clé vide. Nouvelle image clé vide, pour l'instant je ne vois rien. J'utilise une des fonctions hyper importantes d'Animate qui est ici. La pelure d'oignon. Cette pelure d'oignon, elle me permet de voir le dessin auparavant. Et du coup, une fois que je vois le précédent, je reprends mon pinceau, qui est une brosse, et je vais redessiner mon patatoïde de la même manière, en me disant que, finalement, entre deux traits, il a peu évolué, et puis je vais prendre l'habitude, dans Animate, de retrouver en fait les raccourcis clavier. Scénario, image clé vide, ça va être une fonction F7. Donc fonction F7, et je vais rajouter donc les différentes images. C'est bon pour vous ça? Normalement, c'est pas très compliqué. Je fais pas d'anime vraiment complexe pour l'instant. Je vais juste utiliser ce personnage-là. Quand j'en ai assez, je décompose la pelure, enfin je désactive pardon, la pelure d'oignon et je joue mon animation. Et je vais lui demander, toujours sur ce même menu, de jouer en boucle, sur cette phase-là, et du coup de voir mon personnage. Je vais aussi pouvoir lui dire que cette animation, il faudrait qu'elle soit que l'animation qui est choisie se joue non pas à 30 images par seconde, mais à 12, ce qui sera largement assez. On avait fait une session avec Caroline Attia pour parler d'animation. Elle nous expliquait que, ben oui, animer à 30 images par seconde, c'est bien, c'est très beau, c'est très fluide, mais ça demande deux fois plus de temps qu'animer à 15 images par seconde. Donc elle avait tendance à animer, du coup, une image sur deux, ou à prolonger certaines des images. Est-ce que c'est limpide pour l'instant? Est-ce que c'est clair pour vous? Delphine me demande, est-ce que ce serait une occurrence dans Flash? Oui, c'est complètement le principe d'une occurrence dans Flash. Hop, on va bouger la bouteille juste hors champ, parce que je trouve ça moins joli. C'est complètement une occurrence dans Flash, c'est-à-dire que vous allez poser vos éléments et vous allez les retrouver plusieurs fois, vous pourrez les réintégrer. C'est sympa les liens, je suis entièrement d'accord, on se garde une liste de liens dispo après dans le chat. Ce que vous voyez aussi, pour les habitués d'Animate, c'est que l'interface de dessin a aussi pas mal évolué. Par exemple, j'ai moyen désormais dans Animate de tourner mon canevas. Donc cette rotation du canevas, hop, je clique sur l'outil, je peux tourner mon canevas pour dessiner plus facilement, si je suis dans le sens du trait. Et deux clics sur l'outil de rotation va me permettre de le retrouver et de le remettre à plat. Ça c'est parce que je sais que certains d'entre vous ne se rappellent même plus qu'à l'intérieur d'Animate, on peut non seulement animer, mais on peut dessiner. Et ça c'est un truc que je trouve assez précieux. On n'a pas encore fait de lip-sync parce qu'on n'a pas encore fait de lips. Donc je vais aller chercher, je vais retourner sur ma page Adobe Stock et je vais regarder les différents phonèmes qui sont proposés et qui sont utilisés. Les différents phonèmes qui sont proposés et utilisés alors, sont principalement des phonèmes anglophones, si je dis pas de bêtises. Les phonèmes correspondent à des formes de bouche, correspondent à la position des dents, à la position des labiales dessus. Et puis vous voyez que les personnages eh bien, vont adapter leur contenu. Puisqu'on s'est dit qu'on allait faire une session avec un petit peu de dessin, on va rajouter progressivement les animations. On va regarder par exemple celle-ci, hop. Elle me plaît bien, mais elle va me servir surtout, et surtout pour la partie inspiration de dessin. Donc je vais le garder sous le coude, je vais refermer un tout petit peu mon interface ici,
Et puis je vais dire, bah voilà, dans la bouche telle qu'elle va être sur mon personnage, je vais choisir une autre couleur pour qu'on la voit bien. Je vais prendre un gris foncé. Je vais lui faire, bon d'ailleurs j'ai une bouche, on va la prendre un petit peu rouge foncé, voilà. Je vais lui faire un dessin. Hop, une double clic, on revient, je vais prendre mon pinceau. Et je vais faire une bouche comme ça. Ça, c'est sa bouche un peu neutre. Il a peu d'expression. On va zoomer dessus. J'aime bien ce que j'ai fait pour lui. Cette bouche un petit peu neutre, eh bien, je vais faire comme pour mon personnage. Tout à l'heure, j'avais pris la tête et j'étais allé en faire un symbole. Donc je prends cet élément-là et je vais lui dire modification, convertir en symbole. Cette fois-ci, ça va être ma bouche. Ok, c'est bon pour tout le monde? C'est pas très compliqué pour l'instant. Maintenant, je vais rentrer dans la bouche. Et là, dans la bouche, eh bien, je vais pouvoir faire les différents phonèmes. Donc je vais avancer d'une image, fonction F7, et je vais faire une bouche un petit peu ouverte. Donc on va faire une bouche un petit peu ouverte, ce sera ma bouche pour les A, E, I. On va faire une bouche très ouverte, fonction F7, et une bouche très ouverte pour les O. On va faire une bouche, donc fonction F7 toujours, très ouverte, mais pareil que tout à l'heure, je vais me remettre la pelure d'oignon pour être sûr de ne pas rater les éléments précédents, pour être sûr de ne pas décaler ma bouche, qu'elle soit décalée à droite à gauche. Donc on va faire les E, et les E en fait, ils vont être un petit peu plus fermés, et surtout sur le E, eh bien on va utiliser peut-être des dents qu'on va faire un petit peu plus fines. Hop, je vais réduire la taille de mon pinceau, et je vais dessiner comme ça. Ce que je peux faire aussi en termes de dessin dans Animate, je masque la pelure d'oignon 2 secondes, c'est que par défaut, en fait, Animate va peindre normalement. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je peins, je vais peindre devant l'élément qui a été créé. Mais je peux lui demander de peindre dans les zones de peinture, de dessin, et je peux lui demander de peindre derrière les éléments. Daniel me demande, est-ce qu'on peut importer un fichier Photoshop? Oui, oui, sans souci. Hein. On peut importer du Photoshop. Là, l'idée, c'était vraiment de faire de l'animation image par image et le lip-sync à l'intérieur d'Animate. Donc je peux peindre dans les zones qui existent déjà, je peux peindre derrière. Et pour les dents, ben, ça m'intéresse beaucoup de peindre derrière, parce que regardez, du coup je vais peindre comme ça, et les dents vont se retrouver derrière mon personnage. Ok, donc là c'est un E qui est normalement ouvert. Donc on va refaire le E comme ça. Hop. Je vais avoir mes dents qui vont être comme ça. Et derrière, eh bien, je vais peut-être fermer le tracé, et je vais utiliser le pot de peinture pour remplir en noir. E. Donc je vais avoir A. Le A, pareil, je vais pouvoir lui refaire un petit coup de pinceau comme ça. Je vais avoir le... Non, le A ici. Non. Le O. Et je vais avoir le E. Et je vais prendre la dernière qui va m'intéresser ici, ce sera toutes les fricatives C, G, D, qui vont être la même bouche, mais avec les dents fermées. Donc je reprends F7, je revérifie que je suis au bon endroit, je reprends un coup de pinceau, peut-être un peu plus épais, pour pouvoir retravailler, hop, et je vais surtout prendre ma couleur précédente. Là, je vais regretter d'être un petit peu moins organisé que je le devrais. Il faudrait que mon nuancier, en fait, soit présent tout le temps. Parce que je peux m'en servir beaucoup plus facilement. Et du coup, je vais venir le glisser. Est-ce que je peux glisser un nuancier là-haut? Ouais, regardez. Je vais venir le glisser là. Et donc, je vais garder la couleur de la bouche. Et je vais venir peindre ma bouche. 33, c'est beaucoup. Voilà. On va venir peindre la bouche pour les fricatives. Ok? Si vous trouvez que vous dessinez pas assez lisse, n'hésitez pas à lui demander de stabiliser un petit peu tout ça. Hop. Il va vous stabiliser le dessin. Ça, ça va être pratique. Et puis, je peux continuer donc pour les fricatives. Là, j'ai un pinceau en 22. Je vais lui demander de reprendre un pinceau de base. Cette couleur-là, je veux la garder. Tac. Et mon noir, je veux le garder aussi. Comme ça, j'aurai tout de suite les deux couleurs dont j'ai besoin en permanence pour peindre. Donc on va resserrer les dents, on va vérifier qu'il peint bien derrière, pour qu'il ne peigne pas devant mon personnage. Et je vais masquer la bouche. Qu'est-ce que j'ai fait? Lissage, redresser, ok. Et par défaut, mon pinceau crée un objet. J'en ai pas besoin. Donc je peux lui demander de ne pas créer d'objet. Voilà.
Donc je vais bien avoir ma bouche fermée ici et ma bouche qui est ouverte, sur laquelle on va pouvoir travailler progressivement, sur laquelle on va pas hésiter à rajouter donc des petits bouts de contenu, hop, hop, au fur et à mesure. Donc j'ai la bouche fermée et j'ai mon personnage qui va commencer à parler. Ok? Je vois aussi que dans les bouches, eh bien, on a le Q et le W qui ressemblent beaucoup à la petite bouche qui est ici. Eh bien, on va aller pousser un petit peu le vis jusque F7. Et on va se faire une toute petite bouche. Voilà. Toute, toute petite bouche avec ce pinceau-là. Petit plus, je peux regarder les options sur ma forme. Ça va être assez pratique. Pour pouvoir conserver justement ce paramètre prédéfini. Et je vais pouvoir garder donc le paramètre prédéfini. Bon, c'est un pinceau 22. Et tout à l'heure, j'avais un pinceau 6. Hop, enregistrer mon pinceau. Alors, j'ai écrit 9, mais c'est pas grave. Vous avez compris le concept. Toujours est-il que je vais pouvoir prendre mes éléments de pinceau. Et du coup, je vais pouvoir assez facilement switcher de l'un à l'autre. Donc, j'ai la petite bouche. On avait dit une petite bouche. Et je vais repasser sur la peinture derrière pour lui faire une toute petite bouche avec des petites dents noires. Check. Ça marche? Oh purée. Nanana, la patate s'est pris un camion. Ouais, c'est clair. Stéphane, j'ai utilisé Photoshop, vos applications en plus de Premiere, en retard et ça t'intéresse, Raphaël, ça m'étonne pas. Raphaël Buzet, que je reçois demain à 14h, qui va nous parler de son dernier court-métrage. Donc voilà, là j'ai fait la petite bouche de mon personnage. Je suis assez content de ce que j'ai comme résultat. On travaille à l'intérieur d'Animate, et quand on travaille à l'intérieur d'Animate, eh bien on réfléchit un petit peu à ce qu'on fait pour pouvoir refabriquer facilement les contenus. Refabriquer les contenus, ça veut dire quoi? Eh bien ici, c'est une bouche qui va être neutre. Quand je regarde en fait mon image, si je regarde sur ce document-là, sur ce calque, pour l'instant, il n'y a pas de ce qu'on appelle de libellé, une petite étiquette. Là, je vais lui dire, ici, c'est le neutre. Quand je passe à la bouche suivante, le libellé sur la bouche suivante. Alors, pardon, tout était sélectionné visiblement, c'est ma faute. La bouche suivante, ça va être A, E, I. Je passe sur la suivante, la bouche suivante, ça va être O. La bouche d'après, ce sera E. Alors, ce sera I. Donc ce sera le son I en français. Et enfin, la bouche, enfin pas, c'est pas enfin, ce sera les fricatives, donc C, D, G, K, N, voilà. Et la dernière, Q et W. Quoi. Ok? C'est bon pour vous? Si j'ai bien retenu mes leçons des animateurs qu'on a pu recevoir jusqu'ici, je pense par exemple à Caroline Attia qui était avec nous l'année dernière, eh bien, quand on anime, quand on fait notamment du lip-sync, on va travailler avec un miroir pour savoir à quel moment on va placer correctement les lèvres et à quel moment on va faire le contenu de. On va faire le bon contenu. Ici, je vois que j'ai les étiquettes qui sont prêtes. Et maintenant, je vais retourner dans ma séquence. Et dans ma séquence, eh bien, j'ai mon petit personnage qui est sur son calque. Je vais demander un truc important à Animate. Pour l'instant, j'ai deux calques, deux éléments sur le même calque. Je vais faire un clic droit dessus et je vais lui demander. Je vais faire un clic droit sur les objets, clic droit, et je vais lui demander en fait de répartir dans les calques. Ça, c'est hyper important pour l'animation à l'intérieur d'Animate. Si vous répartissez dans les calques, en fait, ça vous permet d'avoir par exemple le corps de votre personnage, sa tête ici, et la bouche sur un autre calque, ce qui sera beaucoup plus simple pour pouvoir travailler. Ne faites pas séparer. Séparer, c'est quand vous avez un objet et vous voulez séparer et retrouver par exemple l'accès à vos différents éléments de dessin. Dans vos différents tracés. Donc je vais répartir dans les calques, et là je vais voir que comme j'avais été malin au début, c'est important d'être malin dans Animate, comme j'avais été malin au début et que j'avais nommé mes calques, j'avais nommé mes objets bouche et tête, eh bien je vais retrouver deux calques qui s'appellent bouche et tête. Ça va? C'est facile ça? Ok. Delphine me demande, est-ce qu'il y a plusieurs environnements de travail? Je ne peux pas vérifier, la mise à jour s'est lancée dans Creative Cloud. C'est une très bonne question. Regardez, ici on a les espaces de travail, on peut voir les indispensables, l'animateur, etc. Et on peut enregistrer son propre espace de travail. Donc oui, il y en a, comme dans la plupart de nos applications.
Donc je vais lui demander ici de compléter, Shift F5, je vais avoir ce petit personnage qui joue, et puis pour l'instant il n'a pas de bouche. Donc il n'a pas de bouche parce qu'il ne parle pas. Et pour moi, le point le plus intéressant à l'intérieur d'Animate, c'est dans le menu Fenêtre. On a depuis quelque temps le sélecteur d'image. Sélecteur d'image, c'est quoi? Eh bien, c'est quand j'ai. Hop, alors il est caché ici, sur le côté. N'hésitez pas à le sortir si vous faites du Animate avec beaucoup de contenu pendant un certain temps, beaucoup de poses clés par exemple. Vous prenez votre sélecteur d'image, vous sélectionnez la bouche, et vous voyez que Animate vous propose les différentes bouches. Et en plus, là où il est vraiment très fort, par défaut, j'ai une timeline où j'ai qu'une seule bouche. Et par défaut, mon personnage va parler, parce qu'il va lancer les différents éléments directement sur la timeline. Eh bien, je vais pouvoir lui dire, en fait, l'élément que tu viens de poser, donc l'objet bouche, c'est un élément graphique, et par défaut, l'élément graphique, il a ici une lecture en boucle. En réalité, j'aimerais bien que mon élément graphique, il lise une seule image et il lise uniquement la première. Donc je fais ma lecture. Je n'ai plus aucune idée du raccourci pour faire la lecture à l'intérieur d'Animate. C'est bien ma veine. On va se faire aider. Si je fais un pomme entrée, je vais revenir en lecture. Et donc je vais bien avoir mon personnage qui se lit tout seul. Ok? Retrouver. Affichage, modification, contrôle. C'est dans contrôle, lecture. Lecture, c'est entrée d'après lui. Si je fais entrée. Si je fais entrée et que je fais pas attention à ne pas avoir étendu mon contenu tel quel, eh bien, il va me faire la lecture sur un seul visuel. Ok? Voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais venir ici et je vais lui dire, bah en fait, là, j'ai besoin de le faire parler. Donc je vais pouvoir lui mettre la bouche A. Mais quand je clique sur la bouche A, par défaut, vous allez voir, regardez bien ici, par défaut, il me propose directement de créer une image clé. Et de créer une image clé en image unique, qui sera lue uniquement lorsque l'on va la poser. Donc je prends cette image clé et lorsque je clique, hop, j'ai une image clé, image unique. Et donc je peux compléter et je peux lui dire, ben, je reprends le symbole à ce niveau-là et il va refermer la bouche. Et maintenant, mon personnage est animé directement. Delphine me demande, Franck est en mode, Franck est en mode Franck. Franck est en mode indispensable. Bonjour, j'ai un bug à tout le temps sur la fenêtre propriété car j'arrive pas à voir la taille du pinceau même si j'essaye d'agrandir la taille de la fenêtre, me dit petit 16. Eh bien, figurez-vous que j'ai le même, c'est-à-dire que lorsque j'étais en outil pinceau dans la barre et que je prenais mon outil pinceau, hop, brush, le bout de la fenêtre semble figé. Donc même en agrandissant tout ça, j'ai pas la taille qui s'affiche. Donc c'est un petit peu rageant, mais pour l'instant j'ai pas d'autre solution que de conserver en fait des pré-réglages. Et de toute façon, hein, vous allez le voir quand vous dessinez, vous restez tout le temps entre deux ou plusieurs pré-réglages différents. Là je peux lui demander, hop, on va augmenter, etc. On va pouvoir choisir la bonne taille de pinceau. Hop, 30, et il va falloir le faire. Désolé pour l'emploi de ce terme que j'aime pas trop, ça va être du pif. Ok? Ouais. Donc voilà un petit peu comment je vais faire mon lip sync, mais pour l'instant je fais un lip sync sur quoi? Ben, je fais un lip sync sur rien du tout, parce que je fais juste une petite animation de mon personnage, je peux bouger ce personnage, mais je lui ai pas du tout donné de piste audio. La piste audio, on va la fabriquer. Par défaut, dans Animate, sauf si je dis une bêtise, mais il me semble pas, on n'a pas d'outil pour enregistrer une piste audio. Je vous dirais bien, vous prenez juste votre téléphone et vous faites l'enregistrement, vous prenez votre ordinateur et vous faites un enregistrement, mais on va essayer de faire les choses bien. Et donc, pour faire les choses bien, quand on a besoin de faire de l'enregistrement audio, eh bien, je vous emmène sur Audition. Audition, si vous voulez en savoir plus, vous passez dans votre appli Creative Cloud. Vous passez sur vidéo et animation et vous retrouvez Audition, la dernière version. Et Audition, quand il est là, c'est un outil pour gérer la production musicale, c'est un outil pour traiter de l'audio, c'est un outil pour caler les sons.
Lorsqu'on a lorsqu'on a fait la session avec Grégory Villien il y a quelques semaines sur la chaîne YouTube Adobe France, hop, on va essayer de le retrouver. Grégory Villien, en direct du canapé, sur toute une première partie, il nous a montré comment il faisait de l'animation. Et puis, la toute dernière partie de son projet, c'était beaucoup d'After Effects, la toute dernière partie de son projet, il a glissé dans Audition. Et là, ça devient vraiment de la magie, parce qu'il y avait énormément, énormément de contenu, énormément d'automatismes dont lui pouvait avoir besoin pour traiter les sons, des pistes audio qui allaient se jouer, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment un super bon sujet. C'est vers la fin de la session. Au bout d'une heure trente, on est arrivé à la partie audio. Donc qu'est-ce que je vous dis? Au bout d'une heure vingt. Ok? Vous irez regarder là et vous me direz ce que vous en pensez. Une petite session spéciale audition un de ces jours. Oui, peut-être, Delphine, ça pourrait venir. Pour moi, audition, je m'en sers beaucoup en complément. C'est pour ça que ben, parfois, comme ce n'est qu'un complément pour moi, ben, parfois il n'y a pas de nouveau contenu. Fichier nouveau, je vais créer un nouveau fichier audio. Ce fichier audio, je vais l'appeler la voix. Je choisis le taux d'échantillonnage qui sera de la meilleure qualité pour moi et pas trop lourd. Les canaux en stéréo, le son en 16 bits, ça devrait être suffisant par rapport à votre carte graphique, à votre carte son et par rapport à ce que vous enregistrez en général. Mais n'oubliez pas un point important, c'est que lorsque vous passez dans Media Encoder et que vous voulez exporter pour YouTube ou même dans Animate, hein, quand je vais faire un export de ma séquence, de mon doc, je peux lui demander en fait de faire dans mes paramètres de publication, d'aller voir les profils par défaut, paramètres supplémentaires, et je vais avoir des exports flash, mais je vais aussi avoir des exports d'animation. Hop, paramètres supplémentaires. Exportation de l'animation. Fichier. Exporter, exporter l'animation, c'est parce que je ne cherche pas du tout au bon endroit. Exporter l'animation, donc, qui va me permettre d'exporter du flash, mais je vais lui demander aussi exporter la vidéo ou un média. Et donc, quand je vais exporter ma vidéo ou mon média, je vais me retrouver justement dans ces caractéristiques et je vais pouvoir lui demander d'aller chercher justement des paramètres prédéfinis. Et si je lui demande de prendre les paramètres qui sont connus pour le web, donc le H.264, comme je vais travailler à l'intérieur de Media Encoder, je vais retrouver les paramètres, par exemple, pour YouTube, et je vais pouvoir lui dire, ben, YouTube en Full HD, qu'est-ce qu'il utiliserait comme paramètre? Et je vais lui dire, je vais me mettre sur le bureau, je vais exporter mon format de fichier sur le bureau, on va démarrer directement l'export dans Media Encoder, et il va me préparer ce contenu-là. Si j'avais choisi de ne pas démarrer directement l'export dans Media Encoder, j'aurais aussi eu une petite recherche en amont pour savoir eh bien, quel type d'export je souhaite retrouver. Qui supporte encore le flash sur le web, me demande Clément. Alors sur le web en tant que tel, plus grand monde. Par contre, sur tout ce qui est borne interactive, ça existe toujours. Et dans les applications, ça continue d'exister puisqu'on a toujours des players. Petite pause liquide, je parle beaucoup et en plus j'ai ma voix dessus. Le fichier a été créé, je lui dis ok, je suis très content de tout ça. Et si j'avais besoin de retrouver les paramètres, eh bien je peux reprendre ce contenu-là, je peux dupliquer mes paramètres et je peux lui demander d'aller chercher par exemple les paramètres YouTube. Ok, ok. Donc je vais prendre un petit bout ici, on va le dupliquer. Et je vais vous montrer l'histoire des paramètres YouTube quand ça veut. Je ne sais pas pourquoi ça ne veut pas aujourd'hui. Est-ce que c'est juste parce que j'ai pas de bon fichier d'export? J'ai plus de source. J'ai plus de source. C'est dommage, je vous aurais bien montré à quoi ressemblaient les paramètres de Media Encoder. Mais ce ne sera très clairement pas aujourd'hui. Donc voilà la première partie. Maintenant, je retourne dans Audition, j'ai créé ma voix et je vais enregistrer ma voix. Enregistrer la voix dans Audition, c'est facile, vous avez un bouton rouge ici en bas et ce bouton rouge vous permet de lancer l'enregistrement. Bienvenue sur la chaîne YouTube Adobe France. Ce qui nous intéresse là-dedans, c'est que
Je vais mettre un peu de son pour le replay. Bienvenue sur la chaîne YouTube Adobe France. Je vais baisser un petit peu le son. Bienvenue sur la chaîne YouTube Adobe France. Voilà, on va essayer de pas... Bienvenue sur la chaîne YouTube Adobe France. Premier truc, c'est qu'ici, Adobe France, on entend un petit clic qui me plaît pas trop. Ce petit clic, il va falloir le nettoyer. Je peux le nettoyer dans Audition, je peux me dire, est-ce que j'ai besoin du son ici? Eh bien, on va prendre le Input pour rentrer, et on va... Et ici, le Output. Et donc, je vais pouvoir prendre mon édition, et je vais pouvoir lui demander de recadrer ce qu'on appelle trimmer en anglais, commande T. Trimmer, c'est pas parce qu'on travaille plus. Bienvenue sur la chaîne YouTube Adobe France. Bienvenue sur la chaîne YouTube Adobe France. Et ce que j'aurais même dû faire avant de faire ça, c'est que comme vous voyez ici, il y a du bruit. Vous l'entendez peut-être pas parce que il y a déjà un peu de contenu qui a été... Il y a déjà un petit peu de filtre, réduction de bruit sur la session. Donc vous n'entendez peut-être pas le bruit ici. Mais si je sélectionne cette partie, vous voyez qu'on a du bruit à moins 30. Et si je sélectionne ici, on a ma respiration, c'est un peu désagréable. Je peux prendre ce bout de bruit et je peux lui demander, dans les effets, d'aller gérer la réduction et restauration de bruit, d'aller capturer l'impression du bruit pour lancer un processus de travail, et je vais écouter un peu le bruit. Ça, c'est le bruit, le son avant. On va écouter avant, il y a du bruit. Après, on a beaucoup, beaucoup moins de bruit. Vous voyez un petit peu comment ça marche? On peut choisir la valeur de nettoyage. Ici, moins 80, donc je vais vraiment réduire le bruit. Mais le problème, c'est quand je fais ce genre de réduction de bruit, eh bien, je risque aussi de dénaturer mon son et de dénaturer les ondes de mon son. Donc là, on peut choisir de quelle manière et sur quelle valeur on va remonter un petit peu tout ça. Okay, les échelles sont linéaires. On travaille sur les deux canaux s'il faut, et une fois qu'on a fini ça, on va sélectionner le fichier en entier. Bienvenue sur la chaîne YouTube Adobe France. Bienvenue sur la chaîne YouTube Adobe France. Et on va passer, faire un petit clic. Bienvenue avant, sur après. La chaîne YouTube Adobe France. Bienvenue sur la chaîne YouTube. On va faire Adobe du avant-après pour savoir ce qu'on est en train de gérer. Bienvenue on va sur bien la chaîne écouter YouTube le Adobe contenu. France. On va bien réduire le son. Bienvenue sur la chaîne YouTube Adobe France. Bienvenue sur la chaîne YouTube Adobe France. Bienvenue sur la chaîne YouTube Adobe France. Voilà. Bienvenue. Et une fois qu'on aura quelque chose qui sera cohérent, on pourra appliquer ce son. Appliquer ce réglage. Vous voyez qu'il a nettoyé le son. Et là, vous vous rappelez, tout à l'heure, je vous ai dit, il y a un petit clic qui ne me plaît pas trop. Eh bien, dans Audition, je peux prendre un petit coup de correcteur et je peux nettoyer ce bout-là. Et je réécoute. YouTube Adobe France. Bienvenue sur la chaîne YouTube Adobe France. Donc, j'ai bien ma sortie, haut, j'ai bien mon entrée, oups, pardon, haut, I, voilà, I comme input, O comme output, pomme T, je découpe. Bienvenue sur la chaîne YouTube Adobe France. Et j'ai cliné mon son. Et si j'ai besoin de retravailler le son, eh bien j'ai tout un tas d'effets. Et si je suis du genre à vouloir gérer régulièrement les mêmes effets, parce que je veux le travailler en production, eh bien très clairement, Audition va être très développé pour vous, puisque vous allez pouvoir choisir donc dans les espaces de travail de faire du mixage avancé, de faire de la restauration de son. Restauration de son. Bienvenue sur la chaîne YouTube. Vous pouvez regarder énormément d'informations, des histogrammes, des analyses de phase. Vous allez pouvoir placer des effets dans un rack YouTube Adobe. Vous allez pouvoir lui dire, bah tiens, j'aimerais bien comme effet dynamique frappé déhaisser la voix limite hors champ homme. Bienvenue sur la chaîne YouTube Adobe France. Bienvenue sur la chaîne YouTube Adobe France. Bienvenue sur la chaîne YouTube Adobe France. Ok, c'est bon pour vous ça? Ouais, Audition c'est assez magique, et quand vous avez besoin de revenir dessus, Adobe France. On peut gérer un limitateur fixe, on peut aplanir le volume du discours, on peut double-cliquer et régler chacun des effets qu'on va utiliser. Il y a énormément de petits contenus pour régler l'ensemble de votre son. Je vais baisser un petit peu la voix en plus, parce que ça doit être un peu fatigant de votre côté. Sur la chaîne YouTube Adobe France. Et du coup, quand je fais ça, j'ai accès à la meilleure qualité de mon son.
J'ai réglé ce contenu-là. Menu fichier, je peux sauvegarder ce son-là. Hein. Pour l'instant, il a encore été jamais enregistré. Je vais pouvoir lui dire, ok, j'enregistre. Et oui, tu appliques les effets. Et là, c'est la voix traitée. Hop, avec un R. On la met sur le bureau. On choisit le format. Ici, c'est du PC, ce qu'on appelle de l'onde PCM, c'est-à-dire l'onde principale du Wave. On pourrait mettre du AIFF, on pourrait exporter en MP3. Maintenant, c'est possible. On conserve ce contenu. Ok. J'inclus les métadonnées, je sauvegarde mon fichier. Sur le bureau, désormais, j'ai ma voix traitée. Bienvenue sur la chaîne YouTube Adobe. Ok pour vous? Et cette voix traitée, eh bien, puisqu'on doit faire du lip-sync dans Animate, je vais venir la glisser, je vais venir l'importer. Tiens. Voilà, j'ai glissé la voix, et regardez, elle est venue se caler sur la bouche ici. Donc on va se mettre là, et on va se mettre sur le bon calque. Hop. Je viens poser ma voix sur le premier calque. Je vais rajouter un peu d'image et on va écouter ce que ça donne. C'est saoulant. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais masquer mon sélecteur d'image pour l'instant. Je vais agrandir un petit peu tout ça. Je vais revenir moi en petit dans un coin. Check. Voilà, parce qu'on va avoir pas mal de choses à revoir dedans. Une fois que j'ai fait ça, je viens de glisser donc mon audio. Et si j'ai glissé mon audio, eh bien je vais lui demander d'aller au moins jusqu'au bout de l'audio. Donc F5. Voilà, mon audio s'arrête ici. Bienvenue. Et je vais lui demander de ne pas jouer en boucle. Bienvenue sur la chaîne YouTube Adobe. Et une fois que je suis arrivé ici, on va rajouter F5 les images qui manquent à mon contenu. Majuscule 5, on efface tout ça. Bienvenue sur la chaîne YouTube Adobe. Et là, vous vous dites, ok. Alors, Delphine me demande, est-ce que le cleaning dans Audition est destructif? Il est destructif, évidemment, parce que vous êtes en train de faire un nettoyage sur le fichier. Par contre, si vous souhaitez travailler dans Audition sur un clean plus long, sur par exemple un métrage ou autre, je vous recommande de passer non pas comme ici sur le travail de la forme d'onde, clip par clip, mais sur le travail d'un multipiste, sur lequel dans ce cas-là, on va poser les éléments de clip et on va créer une session sur laquelle eh bien, on prendra par exemple le premier bonjour, puis la voix traitée, puis on fera du mixage dessus, puis on assignera sur chacune des pistes eh bien, des effets particuliers par piste. J'aimerais bien avoir un peu de délai analogique ou d'écho dessus. Adobe. Bienvenue sur la chaîne YouTube Adobe. Ah, j'adore. J'ai l'impression d'être un peu à la fête foraine. Donc, je peux gérer ça. Je vais pouvoir faire ça plutôt en session multipiste à l'intérieur d'Audition. Il y a vraiment plein de manières de le mettre en place. Vous pouvez tout à fait prendre... vous pouvez apprendre par cœur les raccourcis clavier, ça fera pas de mal. Et quand vous avez un élément qui vous plaît particulièrement, eh bien, vous prenez votre outil de sélection, que j'ai plus en tête non plus. Ça, on sent que du Audition, j'en fais pas tous les jours. Tenez, regardez, c'est là. Je vais pouvoir lui demander de prendre ma sélection. Check. Copier. Et je peux venir un peu plus loin. Coller. Coller. Et du coup, je vais pouvoir bouger mes différents éléments. Et là, ça va être la fête foraine. Vous êtes prêts? Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Adobe. Bienvenue. Voilà. Donc ça, c'est l'éclate. Ouais, je me suis transformé en DJ de foire et de fête foraine. Mais on était venu là pour faire du lip-sync. Donc on a vu le dessin, on a vu la partie des différentes lèvres, on a vu qu'on pouvait prendre via le sélecteur d'image, qu'on va rouvrir d'ailleurs. J'aime bien mon sélecteur d'image, mine de rien. Hop. Pourquoi je peux pas ouvrir le sélecteur d'image? Franck perdu dans l'interface du logiciel. Ça vous était déjà arrivé, ça? Développer le panneau. Voilà. On va reprendre le sélecteur d'image, comme ça. Ce qu'on avait fait tout à l'heure, c'était se dire... Bienvenue sur la... Donc il y a un « ce » qui est une fricative. Je vais prendre la lettre et je vais aller chercher ici. Hop. Bienvenue sur la chaîne YouTube. Et je pourrais faire ça à la main. Mais je peux aussi lui demander. Et ça, c'est une nouvelle option. Donc on va effacer toutes les images clés. Shift majuscule F6.
F5. Donc les autres images clés. Fonction Shift F6. Et je vais lui dire, sur ce symbole-là, je vais aller lui demander d'aller prendre donc la bouche. Et sur la bouche, je peux soit faire comme ici le sélecteur d'image qui est affiché, soit je peux lui demander de faire la synchronisation des lèvres. J'ai un petit réglage à faire au début. Par exemple, les A, on va aller les chercher. A. Les D, ça va être plutôt ici. Les I, on l'a fait, on l'a préparé. Le F, c'est plutôt une fricative. C'est pas exactement celui-là, ce serait plutôt un autre. L, elle est plutôt ouverte, comme le Q. Le Q, est-ce qu'il y a un Q là-dedans? De O, voilà. Est-ce qu'on a du R? Voilà. Vous gérez comme vous le sentez sur la manière dont ça doit se, développer, dont ça doit se lire pour votre animation. Ou ça va être un petit O. Ça va être un petit O comme ça. Pareil pour celui-là. Et une fois que c'est fait, eh bien il va vous faire lui-même le découpage. Bienvenue sur la chaîne YouTube Adobe France. Est-ce que ça vous plaît ça? Ouais. On se remet en boucle, on sélectionne tout le monde. Je dois avoir un petit raccourci pour sélectionner tout en boucle. Alt majuscule L. Voilà, pour tout sélectionner. Et pour pouvoir. Bienvenue sur la chaîne YouTube Adobe France. 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 Il aurait fallu que je fasse un petit son pour le S. Ok ? Est-ce que ça vous plaît ça ? Salut Pierre. C'est top, je me suis transformé en DJ, ok. Le rack est, oui, dispo au niveau des pistes, si on est dans du multipiste. Donc vous pouvez le mettre directement, piste par piste, ben, comme je l'ai montré tout à l'heure. Donc voilà un petit peu le tour que je vais faire avec vous. Une fois que j'ai fait ça, eh bien je reprends mon projet. Pas montré, je le teste. Bienvenue sur la chaîne YouTube Adobe Navigateur. France. Bienvenue sur la chaîne YouTube Adobe France. Bienvenue sur la chaîne YouTube Adobe France. Je vais baisser le son quand même de, mon double. Bienvenue sur la chaîne. Et je vais pouvoir lui demander, du coup, alors attention, il y a des étiquettes en doublon, peut-être que j'ai des noms qui sont revenus et qui ont le même nom d'étiquette, ça c'est pas très très grave, c'est vraiment plutôt pour la partie sortie pour, pour du code, et maintenant je vais pouvoir exporter mon contenu en tant que vidéo ou média, je vais lui demander d'aller chercher l'animation entière, il va bien intégrer la couleur de ma scène, il va pouvoir éventuellement piocher une séquence particulière, on n'a pas parlé des séquences dans Animate, mais il y a quand même ça, il peut sélectionner un moment particulier, c'est-à-dire que si je connais déjà le timing de mes éléments de scène, je peux lui demander de démarrer à un moment bien précis. Je peux lui demander de choisir le format, ici plutôt du YouTube, Full HD, etc. Vous pouvez choisir vos qualités, vous pouvez mettre ça en place. Lip Sync Animate complet. Voilà. Je lui demande de ne pas démarrer immédiatement à la file d'attente. Voilà. On va l'exporter. Il va me ressortir Media Encoder derrière, qui est là. J'ai bien ce contenu-là. Et la raison pour laquelle j'ai voulu ne pas l'exporter tout de suite, c'est que je vais pouvoir dupliquer ce fichier. Là, j'ai fait une sortie pour le YouTube Full HD, mais je peux lui demander de faire une sortie pour un YouTube qui sera cette fois-ci, par exemple, en 720, qui sera suffisante pour mes rendus. Et puis, je peux cliquer dessus, et je peux lui dire, ouais, voilà, là, j'ai ma scène qui est prête à être exporté, mais j'aimerais bien que en termes de vidéo, eh bien, on change certains réglages, ou qu'on change certains, qu'on rajoute des effets au niveau du look, etc., etc. Je valide les créations, et quand je fais la lecture de ma timeline, il va me prendre l'export de mes deux animations. Il me confirme que mon fichier a bien été exporté dans Animate, parce que là, quand vous faites des tests qui font 15 secondes, forcément, ça va mieux, et je vais pouvoir lui demander ici le petit lip sync. Bienvenue sur la chaîne YouTube Adobe France. Bienvenue sur la chaîne YouTube Adobe France. Bienvenue sur la chaîne YouTube Adobe France. Et voilà le travail. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que c'était le genre de choses que vous étiez venu regarder aujourd'hui? T16 me dit, j'ai déjà essayé le lip sync auto et ça marche plutôt pas mal. Ouais, ça marche plutôt pas mal en auto. Après, je sais que... la problématique de lip sync en auto ou à la main, c'est souvent
le temps dont on dispose, c'est souvent la capacité à rétablir, à redessiner chacune des images dont on va, qu'on va souhaiter utiliser. Donc, ça dépend vraiment de travailler avec vous. S'il n'y a pas de calque, de background, est-ce que ça exporte en transparence, me demande Delphine. Eh bien, pas du tout, parce que mon export était dédié à YouTube. Donc ça n'exporte absolument pas en transparence, même si on trouverait que on trouverait ça assez intéressant. Si je voulais exporter en transparence, il faudrait que je passe sur un ProRes, par exemple, ou un DNxHD sur Windows, pour pouvoir récupérer aussi une couche de transparence. Ouais. Ouais. Eh bien, merci à tous de nous avoir suivis. Donc, comme je vous le disais au début de la session, on était en direct sur la chaîne YouTube Adobe France. On est disponible donc pour chacune de ces sessions. On est disponible sur le direct, on est disponible sur les replays. Vous pouvez revenir tranquillement, retrouver les directs du canapé avec des invités tous les jours à 14h. Vous pouvez retrouver les masterclass, vous pouvez retrouver les tutos sur les différentes applications du Creative Cloud. Vous pourrez retrouver sur chacun de vos domaines de prédilection favoris tous ces contenus. Et puis si vous retournez sur Behance.net, sur le live, sur l'onglet du live Adobe Live en français, eh bien vous retrouverez les sessions comme par exemple hier avec Stéphane Baril, puisqu'on a retravaillé sur les variantes de couleurs dans Illustrator. Tout est ici, tout est à disposition. Je pense que vous allez avoir pas mal de matière pour pouvoir travailler. Merci à tous. Rendez-vous à 14h. Bye bye.